il est comme ça. Amen. Alléluia. Regardez ce que Dieu a placé en lui. C'est cela le plus important. Et ce n'est pas pour rien que Dieu permet que je lui donne le manteau pendant que je suis en déplacement. Amen. Donc écoutez-les. Il vous appelle, répondez. Ne faites pas comme vous me faites, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il vous appelle, répondez gentiment. Ne les découragez pas. Amen. Il vous appelle, il a besoin de vous, répondez, travaillons. Amen. Papa, papy est là pour travailler, les soutenir comme nous travaillons toujours en équipe. Amen. Alléluia. Lui, il sait pourquoi Dieu m'a donné. Alléluia. Il le sait parfaitement. Amen. Donc, Dieu est formidable. Amen. Dieu m'a donné des bons collaborateurs. Amen. C'est des papas qui... Papa, papa, tiens, sois aussi debout. Amen. Tu peux venir ici. Viens, viens, viens. Tiens-toi ici, ma maman. De l'autre côté ici, de l'autre côté ici. Amen. Amen. Dieu m'a donné des bons collaborateurs. Chacun a ses compétences, chacun a ses capacités et chacun est très utile. Alléluia. L'église ne peut pas fonctionner seulement avec les aspects spirituels ou délivrants. Il y a des gens qui doivent réfléchir, qui doivent travailler, qui doivent aider. Amen. Qui doit mettre l'accent, qui doit travailler dans les côtés du savoir. Et lui, Dieu me l'a donné à cause de ça. Amen. Il est très utile, très important. C'est un serviteur de Dieu. Respectez-les, honorez-les à mon absence. Amen. S'il vous plaît, honorez-les. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas facile. Soutenez-les, travaillez à côté d'eux. Et les détails, tout ce qui concerne les détails, le fonctionnement de l'église, le papa va assurer ce que moi j'ai fait. Papa Winner. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Papa Winner va se mettre à genoux. Je vais prier pour lui rapidement. Mettez-vous à genoux. Je vais prier pour lui. Papa aussi va se mettre à genoux après. Je vais commencer d'abord avec lui. Seigneur, je prie que tu lui donnes la sagesse, l'intelligence. C'est toi qui avais placé ce fardeau entre mes épaules. En ces jours, je dépose ce fardeau sur ses épaules. Donne-lui la capacité spirituelle de porter ce fardeau et d'assurer le fonctionnement de cette œuvre. Au nom de Jésus-Christ, je bénis sa vie. Je sais que tu es avec lui. Sois avec lui, Seigneur. Marche avec lui. Accompagne-le, équipe-le. Au nom de Jésus-Christ, rends-le capable. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie et je dis merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je prie que tu ouvres sa vie. Je prie que tu lui donnes l'intelligence que tu avais donnée à Betsalel, afin qu'il sache mettre les points sur les i. Moïse avait la vision, mais il n'était pas capable de construire. C'est Betsalel qui a construit. Seigneur, je prie que tu lui donnes le cœur de Betsalel, que tu lui donnes l'intelligence de Betsalel, afin que par son savoir, par son intelligence, par ses compétences, qu'il mette les points sur les i et que cette œuvre avance, que cette église secoue Montréal au travers de ses papas. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Cette phrase est importante. L'œuvre de Dieu ne marche pas avec une seule personne. On ne peut pas construire avec une seule personne. Travaillez en équipe, en solidarité, vous verrez des choses que Dieu va faire. Amen. Il y a des gens, il a la vision, mais il ne sait pas comment faire. Alors, si toi tu dis, moi je n'ai pas la vision, mais je ne mettrai pas mon intelligence, tu en fous de l'œuvre de Dieu. Amen. Cela ne sera jamais le partage des collaborateurs de cette église au nom de Jésus. Amen. Amen.